pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Ouais. On reste avec là. Donc là, je vous demande différents targets. Donc, le target, c'est la cible qui est ici. L'objectif, c'est qu'ils viennent la toucher et qu'ils restent dessus si bizarre. Alors, je vais trouver des cas extrêmement médical. Donc là, par exemple, ce que je lui demande, c'est de faire un effort physique et de savoir qu'il le fait sans difficulté. Pour nous, c'est l'assurance que du coup, il n'a pas de difficulté à se mobiliser, à se mettre debout, à utiliser ses pattes. Donc on a le training en extérieur, on a le training en intérieur. Celui à l'extérieur est un peu moins diversifié que celui en intérieur. Mais on essaie de transposer au maximum les signaux entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un entraînement quotidien? Alors c'est pas forcément quotidien, c'est quand lui aussi est réceptif, qu'il y a des jours où il n'a pas envie. Donc l'objectif c'est d'être force de proposition de notre côté, mais aussi de capter les moments où c'est lui qui l'est finalement. Donc là, par exemple, je vais lui demander une ouverture de bouche. Les nécessités. Tu viens, Lalo ? Et selon la réussite de l'exercice, derrière, il est récompensé. Plus ou moins selon la difficulté.